Ce parti médiatique devrait se poser des questions en France. Comment se fait-il que nous soyons les 45e dans le classement pour la liberté de la presse dans le monde? Sinon parce que cette presse est la propriété de 9 milliardaires pour 90% de tout ce qui existe. 45e. J'ai lu un éditorialiste fameux qui prétend que l'éditorialiste est un tuteur sur lequel le peuple, comme un lierre rampant, peut s'élever. Eh bien, il est temps de s'élever. La France est en 45e. Je lui dis, prenez garde, les 46e, 47e et 48e pourraient vous rappeler qu'ils sont en état de vous rattraper très bientôt. Il s'agit de Malte, de la Pologne et de la Mauritanie. Mais nous pourrions essayer d'améliorer notre place dans le classement et peut-être de nous élever jusqu'au rang de Trinité et Tobago, qui est 44e, du Botswana, qui est 43e, du Burkina Faso, qui est 42e, du Tonga, qui est 37e, de la Namibie, qui est 17e, de la Jamaïque, qui est 10e, ou du Costa Rica, qui est 6e. Mais à la vérité... dans le domaine de la liberté, la seule place qui nous conviendrait, ce serait la première, là où se trouvent les Pays-Bas et la Finlande.